C'est peut-être un peu froid pour espérer un meilleur chrono. Est-ce que tu es quand même satisfaite de ce que tu as fait aujourd'hui? Oui, je suis vraiment très satisfaite parce que je courais contre des filles qui ont vraiment mon niveau. Et de me voir devant, je me dis même bon, on a toutes les mêmes conditions qui sont aujourd'hui un peu pas très favorables à une bonne perf, mais franchement ça s'est bien passé. On peut dire que tu as couru en patronne quelque part. Patronne, je sais pas, mais j'ai essayé de faire de mon mieux et ça a marché. Donc. C'est ce qu'il faut retenir. 54-43, c'est que ça te convient compte tenu de la fraîcheur? Oui, compte tenu de la fraîcheur et de l'humidité de Poitiers il y a deux jours, c'est correct quand même. Voilà, c'est le fait. Bon, la suite de ta saison maintenant, ça va être quoi? Début juillet, les championnats de France jeunes, puis peut-être les élites, et après je vais continuer à essayer de faire des meetings, voilà. Est-ce que c'est toujours particulier de courir à la maison devant son public? Tout le monde te connaît maintenant sur Angoulême. Oui, ça c'est super. La dernière, j'ai fait la même chose il y a 3 ou 4 semaines au Center Club. C'est toujours pareil, il y a plein de monde et tout. Surtout aujourd'hui pour le meeting où il y a eu plein de pubs. Donc les gens sont rassemblés malgré le mauvais temps. Donc, et quand on est au plus dur de l'effort, est-ce qu'on entend le public sans t'encourager? Ça aide. Hein. Je pense que sans le public, je ne ferais pas aussi bien, quoi, c'est sûr. Très bien, merci beaucoup.